Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo qui vous expliquera pourquoi et comment créer son profil Google Scholar. On peut créer son propre profil Google Scholar pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un tel profil permet de distinguer vos articles et documents de ceux qui auraient été rédigés par des chercheurs ayant le même nom que vous. Ensuite, le profil rendra plus aisé le fait de repérer votre nom dans des recherches Internet. Une troisième raison est liée à l'avantage de regrouper toutes vos publications de nature scientifique ou de recherche en un seul et même endroit. Le fait de créer un profil vous aidera à orienter les chercheurs vers votre page personnelle qui contient généralement davantage d'informations sur vous et vos publications. Cela vous sera aussi très utile pour savoir qui vous a cité. Enfin, le profil vous permettra de faire un meilleur suivi des publications qui vous seront assignées sur Google Scholar, notamment grâce à son service d'alerte. Passons maintenant au processus de création de votre profil. Sur la page d'accueil de Google Scholar, cliquez sur Mon profil. Là, saisir votre compte Google. Une fois identifié, remplissez le formulaire. Pour la boîte facultative intitulée Page d'accueil, une bonne idée serait d'inscrire votre identifiant ORCID ou ORCID si vous en avez déjà un. Sinon, une page personnelle bien garnie fera l'affaire. Vient ensuite l'étape de l'ajout d'articles à votre profil. Parcourez la liste en cochant tous les articles dont vous êtes l'auteur. Une fois tous vos articles sélectionnés, cliquez sur le bouton bleu arborant une flèche en haut et à droite de l'écran. En ce qui concerne la mise à jour, il vaut mieux sélectionner la seconde option pour éviter d'éventuelles erreurs d'attribution. Ensuite, cochez la boîte permettant de rendre votre profil public, ainsi que l'option de suivi par courriel de nouvelles citations liées à vos articles. Lorsque vous aurez validé votre adresse courriel et ajouté votre photo, voici à quoi ressemblera votre profil. Si jamais vous désirez ajouter un ou des articles à votre profil, cliquez sur le bouton « Plus ». Vos articles peuvent être classés par date ou par titre au choix. Votre profil est maintenant complété.